Voilà. Chers frères et sœurs, je viens aux nouvelles, hein, les nouvelles fraîches, fraîches. Voilà. Parce que nous-mêmes, on est étonnés du silence du petit gros. Voilà. On est étonnés du silence du petit gros parce que nous-mêmes, on veut savoir où il est. Mais hélas, il ne parle pas. Et ces éléments sur le terrain sont devenus silencieux. Je leur dis d'avoir le moral. Oui, ils n'ont qu'à avoir le moral. Parce que il y a des choses, tu commences, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Oui. Il y a des choses, tu commences, tu ne sais pas quand ça va finir. Oui. Parce que vous avez trop parlé sur les réseaux sociaux. Vous avez crié. Vous avez dit ce que vous voulez. Vous avez dit. Mais ce que les Ivoiriens ne comprennent pas, comment se fait-il aujourd'hui que le petit gros est devenu si silencieux? Pourquoi le petit gros ne parle plus? Pourquoi en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que le petit gros est allé se réfugier chez des gens. Et à partir de maintenant là, le petit gros n'est plus sur un territoire qui fait partie de la CEDEAO. Donc, il y a un problème. Sinon, comment comprendre que on a vu les opposants de Côte d'Ivoire, tout le monde est sorti, même le Prado même qui est âgé là, il est sorti, il a dansé. Mais pourquoi le petit gros n'est pas sorti pour danser? Ben, c'est ça le vrai problème. Pourquoi le petit gros, après la victoire des éléphants là, il n'est pas sorti pour danser? Ou bien où il se trouve là? Il n'a pas le droit de danser. Parce que ça, c'est impossible quand même. Ils ne vont pas nous dire que il n'est pas sorti pour danser. Parce que là où il se trouve, là, il peut pas danser. Parce que s'il danse, on va lui demander de retourner. Ce n'est pas ça. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, nous sommes beaucoup comme ça en Europe, hein. Nous sommes beaucoup comme ça en Europe. On n'est pas milliardaire. Mais Dieu nous protège. On n'est pas milliardaire, Dieu nous protège. On arrive avec le minimum que Dieu nous a donné là, à nous occuper de nos familles, à faire ce que nous pouvons faire pour nos familles en Afrique. Juste pour une raison. À cause de la bénédiction que nos parents nous ont laissée. Vous savez, quand vous voyez un vieux qui est assis, malgré les pauvres, je vais donner ce conseil-là aujourd'hui aux enfants. Je vais vous dire quelque chose. Même si vous allez trouver un vieux pauvre qui n'a rien, ça dit même sans vous là, il peut pas manger. Ne lui manquez jamais du respect. Parce que vous ne savez pas le secret qui est entre Dieu et puis cette personne. Une personne qui est âgée. Vous savez, la seule chose aujourd'hui qui est derrière le petit gros, salut à toi depuis ta position. Kone Ben, salut à toi. Grand-Marie, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Partagez au maximum le direct, hein, parce que c'est important. Oui. Parce que je vais venir vous-même vous poser la question de savoir. Parce que quand vous avez dit que je suis le médicament des soroïstes, donc, je sais que vous-même, vous êtes assis dans votre coin, vous dites, mais Zulu ne se prononce pas sur affaire du petit gros. Mais le petit gros même là, il est dans une situation aujourd'hui. L'homme n'est rien. Voilà.
parlais de ton Dabaya. Ma chérie, Abiba Koulibaly, salut à toi. Bakari Sangare, Bismil, salut à toi. Vous voyez, il est resté dans son Dabaya, en train de vouloir faire croire aux gens qu'il était capable de quelque chose. On a dit à nos amis de la AEL, on a dit à nos amis de l'association des États en souffrance, là. On leur a dit, attention, vous n'êtes pas en train de compter sur quelqu'un. Nos amis, nos voisins de l'association des États en souffrance, là, ils n'ont pas compris. Jusqu'à même, ils ont même pensé que ce Adama, on peut s'asseoir dans son couloir comme ça et être aussi ignorant que ça, être aussi bête que ça, être aussi idiot que ça. Chers frères, vous-même asseyez-vous et analysez un seul instant. Comment quelqu'un lui-même, qui est dans une situation où il ne sait même pas comment il va faire, quelqu'un lui-même qui crie devant vous que je ne peux plus rentrer, c'est cette personne-là, vous comptez sur lui. Maintenant, nous-mêmes, nous, notre problème, là, ce n'est pas ça. Mais petit gros, nous, on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, hein. On est champion. Les opposants même sont sortis. Ils ont dansé. Tout le monde est sorti pour danser. Ce qu'on a vu là, c'est ton poste que tu as écrit, que tu soutiens, que tu es heureux. Tu as félicité les éléphants, on a compris. Mais nous-mêmes, on est sortis pour danser là-haut. Quand on a remporté Sénégal 92, là, tu as dansé. 2015, là, tu as dansé. Pourquoi 2022, là, tu ne danses pas? Pourquoi 2022, là, tu ne danses pas? Pourquoi 2022, là, tu refuses de danser? Il faut te lever, tu vas venir danser. Oui. L'homme à qui tu as lancé le défi, là, et puis tu lui as dit, quand on atteint certain âge, oui, l'homme que tu as défié pour lui dire que physiquement, là, quand on atteint certain âge, on n'a plus la force de mener cette... Aïe. Pourquoi, toi, tu refuses de danser? Nous, on veut te voir danser. Quand 2023, là, nous, on est champions. On a étoile, ça fait trois. Maintenant, il y a des gens qui sont là, et ils veulent forcément étoile. On leur a dit, bon, montrez-nous vos étoiles. Ils ont dit, ils vont prendre les étoiles de qui magie. On dit, non, attention. Étoile de qui magie, là, vous ne pouvez pas prendre ça. Ils disent, mais pourquoi? On n'a qu'une magie dans notre pays. On mange notre cul magie. Hein? Dans notre AS, là, on a notre cul magie. Pourquoi toi, Zoulou de Bogota, tu dis que les étoiles qui sont sur notre cul magie, là, nous, on ne peut pas prendre ça pour déposer ça sur notre maillot. J'ai dit non. Parce que le cul magie même que vous mangez, là, c'est nous, on fabrique ça pour vous donner. Donc, avant d'utiliser les étoiles de cul magie, là, pour mettre ça sur vos maillots, vous devez d'abord nous demander la permission. Oui. Parce que même là, là, il faut payer aussi. On ne peut pas vous donner ça. Donc, le petit gros, nous, on te demande où tu es. Il faut venir parler. Oui. Ceux qui soutiennent le petit gros, là, venez nous expliquer où est le petit gros. Sinon, tout le monde sait, hein, mais les gens n'ont pas l'envie de parler. Ça ne... On l'a vu, veste qu'il avait porté, habit qu'il avait porté. Les gens même étant étonnés. On dit, mais comment quelqu'un peut porter veste comme ça? Quelques jours plus tard, il est sorti. On a vu qu'il a changé. Ok, on a compris. Mais pourquoi depuis ce temps-là, tu es devenu silencieux?
tu ne vas pas nous faire ça. Ah oui, oui. Tu ne vas pas nous dire que te coucher sur un lit là, ça te plaît aujourd'hui. Il faut te lever de ton lit là, il faut venir nous parler. Oui, oui. Tu as crié ici devant tout le monde. Il faut te lever, tu vas venir crier encore. On a besoin de toi. On a besoin que tu continues de crier. Oui, oui. Ah, donc, à faire de lait de vache, tu prenais, ah, l'Afrique est si belle, je me retrouve sur la terre de mes ancêtres. Mais pourquoi tu ne parles plus sur la terre de tes ancêtres? Tu as dit que quand tu étais en Europe, là, tu étais traqué, c'est à cause de ça que tu ne parlais pas. On dit, ah, ok, on a compris. Comme il est en Europe, il n'arrive pas à parler. Parce que la France ne veut pas qu'il parle. On a compris. Bon, est-ce que tu vas nous dire que là, là où tu es là, on t'empêche de parler? Est-ce que là où tu es là, on t'empêche de parler? On ne t'empêche pas de parler, mais tu ne peux pas parler. On te dit même de parler, mais tu ne peux pas parler. Parce que les deux, trois jours, les premières semaines que tu as fait, tu étais un invité. Tu venais d'arriver, on préparait les bons plats pour te donner. Ah! Donc toi, tu penses que c'est dans tous les pays africains, il y a foutu banane? Non. Donc tu penses que sauce graine que tu mangeais avant là, tu vas trouver ça chez les gens là? Non. Ah donc tu croyais que quand on te donnait lait là, c'était pour te dire comme c'est un étranger, on te donne lait pour boire? Non. Non. Le lait là, c'est la nourriture. C'est quand tu arrives chez nous là, et puis là, on te donne lait, tu peux considérer que comme tu es étranger, on te donne lait pour boire. Chez eux là, c'est pas ça, hein. Lait de vache là, c'est pas ça, hein. C'est la nourriture, hein. C'est ce qu'ils boivent matin, midi et soir. Ah donc tu as trop bu lait de vache là, tu parles plus. L'Afrique est si belle là, tu parles plus. Ah, tu es arrivé sur la terre de tes ancêtres, tu parles pas. Parce que tu as dit que tu étais sur la terre des ancêtres des autres. Tu dis que tu es arrivé chez toi. Mais tu es arrivé là, tu parles plus. On a même pris coupe. On te voit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Moro? Faut venir parler. Faut venir parler. C'est moi, je vous ai dit. J'ai dit Moro là, il est assis. Il dit que lui va faire asseoir bois pour lui donner conseil. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu vas t'asseoir pour te donner conseil. Inch'Allah. Et ça a déjà commencé. Hé, hein? Hey, Adama, on peut faire ça. Mon petit frère. Ahmed Daon, le transiteur, salut à toi. Adon, le bâtisseur, salut à toi. Adama, on peut s'asseoir pour dire qu'on va donner quel conseil à quelqu'un. Et puis après, c'est à toi-même qu'on donne conseil. Adama, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Non. On va te donner conseil. Oui, oui. On va te donner conseil. Et puis, bon conseil même, on va te donner. Faut pas t'amuser avec nous. Nous, on n'est pas dans les plaisanteries. Nous, là, c'est du concret, c'est du vrai. C'est sur qui tu comptais, là. Adama, on peut faire ça. J'ai dit, il n'a qu'à sortir, il va venir parler. Il n'a qu'à sortir, il va venir nous expliquer où il est. Pourquoi ce silence? Belle la fortune. Hein? Ah non, 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 il doit parler. Avant là, quand il se levait pour parler là, et puis il criait là, il comptait sur quoi? Hein? Il comptait sur quoi? À ce pays qui se sont mis ensemble, les souffrants là, quand il allait leur faire croire que lui pouvait faire quelque chose dans ce pays là, il est où? Il n'a qu'à sortir, il va parler, on a besoin de lui, c'est important, faut qu'il vienne s'expliquer. Oui, faut qu'il vienne s'expliquer. Mais je vais vous dire, chers frères et sœurs, pour comprendre la souffrance de cet homme là aujourd'hui, allez-y seulement sur la page. Vous allez vous rendre compte. Moi, je vous ai dit, je dors avec eux.
Je n'ai pas voulu parler parce qu'il y avait la canne. Mais Dieu seul sait aujourd'hui où cet homme-là se trouve. Dieu seul sait comment cet homme-là aujourd'hui là, est en train de vivre. Oui. Aujourd'hui là. Ce qu'il vit aujourd'hui là. C'est lui aujourd'hui là. C'est vous qui avez dit hier que non, il est arrivé en Afrique, il est en train de venir. Lui-même, ses propres militants sont venus s'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous blaguer, pour dire qu'il est en train de venir, pour dire qu'il est en train de venir. J'ai dit, moi, il y a des gens qui m'ont appelé. Ma très chère grande soeur, Salam alaykoua toi, Maria Massanogo. Ils m'ont appelé pour dire, Azrou. On dit, il est là, est-ce qu'il ne va pas venir ici? J'ai dit, Allah. J'ai dit, calmez-vous. C'est le début. J'ai dit, calmez-vous. J'ai dit, est-ce que vous vous rappelez quand il arrivait en Europe là? Il faisait assez de bruit comme ça. Il est dans un restaurant, il parle, il fait ça, il fait ça, il parle, il parle, il parle, il parle. J'ai dit, c'est la même chose. Ne vous pressez pas. Laissons juste le temps. Laissons juste le temps. Laissons juste le temps. Qu'ils finissent dans sa situation de nouveau étranger. Quand ce temps-là va passer, là, nous-mêmes, on va demander au Morala de parler, il ne va pas parler. J'ai dit, je vous ai dit, ne vous pressez pas. J'ai dit, quand il va finir de faire ses histoires de lait, je bois lait de vache, je bois lait de mouton. Ça dit que lui, il croyait que les gens, là, les gens des pays AES, là, Association des États en souffrance, là. Lui croyait que c'est comme chez nous. Quand tu arrives comme ça, on te donne l'air le matin, on te fait comme ça. Lui croyait que c'est la même chose qui est là-bas. Mais lui n'avait pas compris que là-bas, là, quand tu te lèves le matin, c'est l'air qu'il boit. L'après-midi, c'est l'air qu'il boit. À midi, même il fait chaud, c'est l'air qu'il boit. Lui n'avait pas compris ça. Lui n'avait même pas compris que souvent, quand ils sont à table à midi pour manger, là, au lieu de boire l'eau, là, c'est l'air des vaches qu'ils boivent. Lui n'avait pas compris ça. Lui n'avait pas compris que là-bas, là, il ne peut pas trouver McDo, il ne peut pas trouver KFC, bon ticket, il ne peut pas trouver. Il n'avait pas compris que même si tu as pris graines là, chez nous là-bas, pour envoyer ça chez eux là-bas, là, ça ne veut pas préparer 60 graines. Il n'avait pas compris qu'il ne veut pas préparer 60 arachides. Mais maintenant, il a compris. Il ne parle plus. Mais je vous ai dit, ne vous pressez pas, chers frères et sœurs. Mais de la même manière, je vous dis, ne vous pressez pas là. Asseyez-vous et puis vous allez regarder. C'est lui qui a dit, il va donner conseil à quelqu'un, non? Mais lui-même, il est en train de se conseiller seul, hein? Mais dans peu de temps, c'est le même qui va se mettre à genoux pour demander pardon ici. Misso de Misso, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, le même qui a dit qu'il va donner conseil là. C'est lui-là qui va s'asseoir pour demander pardon devant tout le monde ici, vous allez voir. Tu ne peux pas parler. Moi, je vous ai dit ici, on lui a dit, le film dans lequel tu rentres là, ce n'est pas bon pour toi. Il faut rester en Europe ici, là. Au moins, tu es dans une situation, on sait que ça ne va pas. Quand il y a problème, ils vont s'occuper de toi. Ils vont te donner un médicament pour te soigner. Tu dis non que tu t'en vas là-bas. Là où tu es là, il n'y a pas bon hôpital là-bas. Problème que tu as là, ils ne pourront pas s'occuper de toi. Ils ne pourront pas s'occuper de toi. Il faut rester où tu es. On va s'occuper de toi au moins. Tu dis non, tu veux jouer les gangabas. Bon, tu as joué les gangabas maintenant là-haut. Petit médicament que tu avais sur toi là-haut, c'est fini. Bon, c'est fini maintenant là-haut. Bon, qui va payer un médicament là pour te donner? Ben c'est ça le vrai problème. Mon très cher grand frère, Bamba Sébastien, salut à toi depuis ta position. Mariam Kone, salut à toi. Prince Abubakar Touré, salut à toi. Chers frères et sœurs, c'est les informations fraîches. Je vous ai dit, ils peuvent parler. Ils peuvent pas. Personne d'entre eux là ne peut venir me contredire. Regardons aujourd'hui, chers frères et sœurs, regardons aujourd'hui sur la toile. Regardons le comportement de ces activistes. C'est là que vous allez vous rendre compte que quelque chose ne va pas. Si vous asseyez, vous regardez le comportement des activistes du petit gros là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais ce qui ne va pas là, ce n'est pas une histoire d'amusement, c'est la vérité. Chers frères et sœurs, il faut être... Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que parmi les soi-disant commandants qui étaient avec lui là, qui avaient été arrêtés en 2019 là, est-ce que, à cause seulement de Soul-to-Soul, à cause de Soul-to-Soul, que seule la situation soit réglée. Mais ce n'est pas son problème. Il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense qu'à lui seul. Son vrai problème là, il est obsédé par le pouvoir. Mais tu ne peux pas arriver au pouvoir dans l'hypocrisie. Quand tu leur dis, Soro ne sera pas président en Côte d'Ivoire, ils disent non, il va devenir président. Mais je le dis haut et fort, il ne peut pas devenir président. Problème de devenir président en Côte d'Ivoire, là, pour Soro Diom, là, c'est terminé. Rémi Koné, salut à toi. Soro Diom devenir président en Côte d'Ivoire, là, ça c'est fini. Quand tu parles, on dit non, pourquoi tu parles? Non, chers frères et sœurs, c'est la vérité. Hey, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un petit pays. Hein. On ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. On ne peut pas confier l'irresponsable. On ne peut plus confier la Côte d'Ivoire à un rancunier. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui est né dans le désordre, nourri dans le désordre, grandi dans le désordre. Quelqu'un qui ne pense qu'au désordre. Lui là, il ne peut pas devenir président encore en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on dit non, est-ce que tu es Dieu? On a dit ça sur le président Ouattara. Ce n'est pas la même chose, chers frères et sœurs. Aujourd'hui là, nos beaux frères, les Camerounais, le continent, ils ont déposé. Le continent a déposé. Chers frères, les gens de l'association des États en souffrance là, eux-mêmes ils ont déposé, ils font bruit. Adama, on peut faire ça. On dit, on a rapatrié Burkinabé, Malien et puis Nigérien en Côte d'Ivoire. Les patrons des États en souffrance là, ils disent non, ça c'est une décision inacceptable. Aïe. Vous allez critiquer ça, Adama. Quand vous êtes quitté dans CDAO, là, est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Non, attends, quand vous êtes quitté dans CDAO, on vous a dit quelque chose. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire est dirigée par un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Adama, même l'Ivoirien même ne savait pas que le pays là est à ce niveau-là. Oui, Wallahi Billahi, l'Ivoirien même se promène à Abidjan. Il ne voit rien même en Côte d'Ivoire. Mais c'est la Coupe d'Afrique là qui a permis à certains Africains de comprendre. Même il y a d'autres qui sont là. À la Coupe du Monde 2038 en Côte d'Ivoire. Adama, est-ce que depuis que la Coupe d'Afrique là est finie, est-ce que vous avez vu un citoyen ivoirien ou bien ivoirienne qui a dit qu'avant la CAN, j'ai monté ma petite activité à côté du stade pour vendre nourriture et puis ça n'a pas marché? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire ça? Vous n'allez pas entendre ça. Parce que la Côte d'Ivoire atteint un certain niveau, c'est trop. Nous, on est en haut, eux, ils sont en bas. Et puis, tu les vois en train de crier. Il y a d'autres qui sont là. Aujourd'hui, ils sont quittés dans choses, ils sont là, ils disent, ouais, ni Côte d'Ivoire, tout le monde boit la kounou, on tombe Kouputa. Ah, donc, vous attendez de gagner la Côte d'Ivoire pour gagner la Coupe d'Afrique. Vous n'allez jamais gagner la Coupe d'Afrique là. Parce que non, moi, mes arrière-petits-enfants vont naître, qui vont venir là. La génération là, ils vont croiser la génération du Mali là. Ils vont les taper encore. Hein. Ils vont les laver. Vaurien, nounou. 9 contre 10. Vous avez eu penalty, amassé cadeau. Vous étiez en train de mener 1-0. À la dernière minute. Pour vous montrer que vous êtes les enfants. On s'est amusé avec vous à la dernière minute, on a égalisé. On est parti dans prolongation. On a tourné. À la dernière minute, ils ont commencé à faire classement. Bon, à quoi les rues connaissaient là, c'est ça. On connaît bien la pénalité ou tirer, c'est ça. Bon, Madou Diara, bon, il est bien la première tirée. Amadou Koulibaly, il est bien la deuxième tirée. Bon, le capitaine va tirer en troisième. Ah. Adama.
Il est en train d'écrire le quatrième nom. Comme il avait donné dos au match. Et puis un coup, il entend. Ouah! Il tourne. On dit quoi? Quoi, il est biflanado? Oye biflanado? Yamarado, il y a d'autouri. Eh, Aouba, qui a dit ça? Aouba, c'est nounou là, ça? Anya, il y a qu'à déposer. D'abayate, ballon, quoi? Ils ont commencé à pleurer. Pleurer. On dit, aïe, Adama, on peut pleurer comme ça. Mais calmez-vous. Jusqu'à même, on allait prendre l'eau. On a versé sur la tête de l'entraîneur. Moi, au cas d'un canafarambro. Eh oui, oui. Ah, ça, c'était clair. Pendant que nous, les gens étaient joyeux là. Caissier, il a dit aux gens là, allez-y, versez l'eau sur la tête de leur entraîneur. Ça pleure, oh, ça pleure. Ça pleure, oh, ça pleure. On a envoyé caméra aussi de l'autre côté là-bas, ça pleure. On dit, mais il y a quoi? On dit, ils ont enlevé à 6000 ton nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a Mardo, il y a un bourreau de hein? Adama. Donc, coupe là-haut. Vous n'allez pas prendre. Quand on va prendre l'étoile de cuir magique pour mettre ça sur notre maillot. Je dis, non. Attention. Ne confondez pas les choses. Étoile de cuir magique là. Cuir magique que vous mangez là-bas là. Étoile là, c'est nous, on a mis ça, hein. Et toi, là, c'est quitté en Côte d'Ivoire, c'est nous, on a mis ça. Donc, et toi, d'équipe magie, là, même ça aussi, vous ne pouvez pas utiliser. Chang Lodozo, salut à toi depuis ta position. Boule Somme, salut à toi. Keita Namori Yakuba, salut à toi. Fatou Etman, salut à toi depuis ta position. Quand on va utiliser qui? Et toi, d'équipe magie, je dis non, non, non. Et toi, d'équipe magie, vous ne pouvez pas utiliser. Parce que les étoiles d'équipe magie, ça, c'est pour nous encore. On ne peut pas vous donner ça. On ne peut pas vous donner étoile de cul magie là. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Nous, on est dans trois. Vous-même, vous êtes là. C'est dans le final vous voulez arriver. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, même à la CDAO, il y a des gens qui étaient là comme spectateurs. Ça dit comme nous, il y avait le match là. Il y avait la Coupe d'Afrique. Nous, on était à la télévision. On était dans les tribunes. Mais la réalité là, les caissiers étaient sur terrain. C'est eux qui touchaient le ballon. Donc, même quand la CDAO là même existait, en réalité, quand ils étaient dedans là, il y avait Coupe CDAO. Même Coupe CDAO là, ils étaient là pour assister. Parce que Coupe CDAO là, la Côte d'Ivoire a remporté trois fois. Le Nigeria a pris une fois. Le Sénégal a pris une fois. Eux, ils n'ont pas pris. Même finale, ils n'ont pas gagné. J'ai dit même finale seulement, ils ne sont pas arrivés là-bas. Ça dit que Coupe CDAO là, ils ne sont pas arrivés là-bas. Parce que s'ils étaient, ils avaient gagné Coupe CDAO même, ceux qui sont partis en a dit bon. Ok, vous partez. Mais quand vous avez pris notre coupe CDAO là, ramenez notre coupe CDAO. Mais on ne peut pas leur demander coupe CDAO là encore. Parce qu'ils n'ont pas pris ça aussi. Coupe CDAO là, ils n'ont pas pris. Donc, on ne sait pas ce qu'on va leur demander pour dire, ah, quand vous étiez dans notre truc là, vraiment on était ensemble, il y a un truc là, vous avez pris. Selon la loi, quand tu prends, tu ne peux pas partir, tu dois revenir avec. Mais eux ne peuvent pas revenir avec quelque chose. C'est eux-mêmes qui font le brio. C'est eux-mêmes qui font bruit. On est sorti de la CDAO. On est sorti de la CDAO. On est sorti de la CDAO. Après, ils disent non. En tout cas, tout le temps, c'est eux qui parlent de CDAO. Laissez-nous comme ça pardonner. Que non. Que c'est inadmissible. Qu'on a rapatrié des gens de la Côte d'Ivoire. Aïe. On n'a qu'à vous laisser chez nous. Non, pardonnez. Chacun il a ce choix. Oui, oui, vous n'êtes plus dans CDAO, restez dans votre coin. Restez dans votre coin. Ah oui, oui, on ne veut plus de vous, hein. Restez là-bas. Qu'on on va aller prendre coupe en Côte d'Ivoire. Eh, Adama, depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Déjà, les gens vont quitter dans le désert. Venez prendre coupe comme ça. Adama, des gens qui boivent l'air matin, midi et soir, ils vont venir prendre coupe comme ça. Des gens qui sont là, est-ce que vous avez fini à faire des dabaya là d'abord? Est-ce que vous avez fini de parler? Football là, ça se joue avec le pied, avec la tête. Les gens qui jouent au football là, de choses là, comment on appelle? Les états, comment on appelle, pays en souffrance là. S'il vous plaît, demandez à notre gars là, notre enveloppe là,
enveloppe que l'Europe vous a envoyée là, demandez-lui, il n'a qu'à venir parler. Informez-lui que nous, on a pris la Coupe d'Afrique, il n'a qu'à venir danser. Que sinon même boit, danser. Lui, il doit danser. Petit gros, pardon, il faut sortir, tu vas danser. Ah, il faut sortir, tu vas danser. Parce que les Ivoiriens veulent voir Ibemini. Les Ivoiriens veulent voir Ibemini. Oui, il faut sortir, tu vas danser. On va te voir danser. Tu ne vas pas nous faire ça. On ne va pas remporter la Coupe d'Afrique et puis tu vas t'asseoir. Ah non, 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 faut que tu danses. Faut que tu danses. C'est important, faut que tu danses. Ah oui, faut que tu danses. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Ce qui est sûr, ce que je suis venu vous dire, le petit gros, c'est chaud sur lui. Hein. Ah oui, oui, le petit gros, c'est chaud sur lui. 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 En tout cas, moi, je ne parle pas. Moi, tout ce que je peux te dire, propre établissement. Tu vois la vie? Tu vois la vie? Tu vois la vie? Tu as poussé tes gens à te moquer de la maladie. Ils n'ont qu'à nous donner les informations sur ta personne. Où tu es? Où tu es? Faut sortir, toi, venir nous dire. Faut sortir, tu vas venir nous dire. Faut sortir aujourd'hui là. Si Zoulou de Bogota c'est un menteur. Si Zoulou de Bogota c'est un menteur. Faut faire vidéo direct. Je n'ai pas dit enregistrer. Hein. Faut faire direct aujourd'hui, tu vas danser. On va te voir dans le maillot des éléphants. Il te sait. Il te sait. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est moi qui te dis ça. Tu peux pas. Même aujourd'hui, tes mêmes gars même. Sois en train de chercher visa pour t'envoyer en Russie. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas partir. Parce que tu as peur. Parce que l'avion que tu vas prendre pour aller en Russie, là, est-ce que ça sera un vol direct? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter quelque part? Un coup blanc, l'avion que tu prends, il descend à Abidjan. Et puis tu dois changer d'avion. Tu dois changer d'avion à Abidjan. On va te prendre. On va t'envoyer à Ebimpe, on va te faire voir le nouveau stade, on va aller te montrer la nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, tout. On va te montrer le cinquième pont, en réalité, le pont, on va te montrer les infrastructures. Quand on a fini tout ça, on sait qu'il y a les sauces arachides, les graines, ça t'a manqué il y a longtemps. On va te servir, tu vas manger, quand tu seras rassasié. Et puis on va t'envoyer maintenant, où est ta place? Ah oui, oui, on va aller te déposer. Où tu dois être. Où tu dois être, là, on va aller te déposer là-bas. Ah oui, oui, c'est ça qui est la vérité. Bon, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. C'est bien sûr, on est ensemble. Restez connectés. Je rentre encore dans le truc et puis je reviens avec les informations. Ah oui, oui. Vous êtes là aujourd'hui. Vous-même, posez-vous la question de savoir. Comment se fait-il que malgré la Côte d'Ivoire remporter cette coupe, monsieur là n'est pas sorti pour danser. Moi là n'est pas sorti pour danser. On sait que tu ne sais pas danser, on a compris. Même le Prado ne sait pas danser, mais il a dansé. Ah, ou bien les gens là ne veulent pas danser avec toi. Parce que eux là, tellement tout, n'est-ce pas? Non, mais il faut te calmer, tu peux rentrer dans ton salon. Tu te caches là, tu fais une petite vidéo. Tu n'embêtes pas trop le volume. Hein. Faut diminuer de sorte que nous on attend, de sorte que nous on te voie. Tu nous manques. Nous on veut te voir danser. On veut te voir avec les bouteilles de caviar. On veut te voir avec les choukouya en train de taper tam-tam. Tu tapes plus tam-tam. Mais il faut taper le tam-tam. Mais il faut danser. Il faut danser. Il faut sortir. Tu vas venir dire non, je viens. Et nous on t'attend. Ah oui, oui. Faut sortir, tu vas venir nous dire, tu vas danser, tu vas mettre tam tam. Tu vas taper tam tam et puis toi-même, tu vas danser. Voilà, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Bonne journée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Voilà, c'est qu'à sûr, on est ensemble, on a pris la Coupe d'Afrique. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, pendant que nous on est en train de faire développement, il y a d'autres qui sont là, on va sortir de la CDAO, on va partir, il y a d'autres qui sont en train de se plaindre. La Côte d'Ivoire, c'est pas un bon pays. Donc, venez récupérer vos ressortissants, vous allez les envoyer là-bas. Ça vous fait mal. Parce qu'on a rapatrié des Nigériens, les Ivoiriens qui sont là-bas, ramenez-les en Côte d'Ivoire.
Oui. Au Mali, ramenez les Ivoiriens qui sont là-bas. Le petit capitaine de Burkina, toi, on n'est pas pressé derrière toi. C'est parce que toi, tu ne connais pas l'histoire. Il faut laisser les autres là, ils n'ont qu'à faire. Les Mali et puis les Niger là, il faut laisser eux, ils n'ont qu'à faire. Ce que toi, tu ne sais pas, même ton papa qui t'a mis au monde là, c'est que Côte d'Ivoire, Burkina là, c'est même pas même, mais attention. Petit, attention de ces conseils, moi, ils te donnent. Il faut faire attention. Toi, tu connais mieux le Burkinabé que Zulu de Bogota, mais moi, il te donne un conseil. Il faut te méfier. Il faut laisser les autres là, ils n'ont qu'à faire. Petit, il faut te calmer. Mais on n'est pas pressé derrière toi. On n'est pas pressé derrière toi. Il faut te calmer. Mais le film dans lequel tu es rentré là, tu vas lire l'heure. À Côte d'Ivoire n'est pas bon. Aujourd'hui, tu te fais commander par Mali. On a compris. Mais nous, on n'est pas pressé. Mais tu vas lire l'heure. Ça dit que c'est toi-même qui vas prendre ton téléphone ici, tu vas appeler à Abidjan pour dire que tu vas aller à Abidjan. Ne te presse pas. Oui. Mon cher frère et soeur, c'était votre frère le Zulu de Bogota. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.